Le seau est rempli de 10 litres d'eau. Quelle est la force avec laquelle la fille doit tirer pour soulever ce seau hors du puits au moyen de la poulie? Nous savons juste que le volume est de 10 litres. C'est l'occasion de rappeler que 1 litre correspond toujours à 1 décimètre cube. Donc ce volume vaut 10 décimètres cubes. Et 1 décimètre cube correspond, mais uniquement pour l'eau, à 1 kg. Donc, la masse de l'eau, c'est 10 kg. Ce que nous cherchons, c'est l'intensité de la force avec laquelle la fille doit tirer pour soulever ce seau. Nous savons que le poids de cette eau se calcule par petit m fois petit g. Donc, masse fois ce nombre qui vaut 9,81 newton par kilogramme. Comme il s'agit d'une poulie fixe, nous savons que grand F est égal à grand G au point de vue intensité. Et le grand G se calcule par petit m fois petit g. Donc, par 10 fois 9,81, et c'est ainsi que nous trouvons que l'intensité de la force à appliquer est de 98,1 newton.